Salut à tous, c'est l'envol. Nous sommes là pour un nouvel épisode de La The City. Et là, bon, je suis enfin avec mon fidèle second. Tu peux arriver sur la map. Et salut à tous, c'est Formule Active du 92 qui vous propose avec l'envol un nouvel épisode de La The City. Mon retour enfin sur MCPE après quasiment 6 mois d'absence. Oh yes! Et nous sommes sur la 0.15.1. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc nous allons faire des... Je vais tourner un peu autour de la map pour vous montrer. C'est la The City X, l'évolution de la map de la The City. Donc je reprendrai des montages style JT et tout. J'ai ça dans les cartons, vous inquiétez pas. Bon, et nous allons quand même parler de la première news importante. Comme vous le savez tous, certains sont déçus d'ailleurs. Il y a eu la rentrée le jeudi 1er septembre ou le vendredi 2 en fonction de comment on planifie les établissements. Hein. Oui. Voilà, rentrée scolaire. Et voilà, et ça va avoir une influence sur la chaîne. Bon, je vais vous expliquer très simplement. Personnellement, moi, le envol, je suis en terminale S, donc pas mal de boulot, il y a le bac, tout ça. LT, il est en études sup. Formule IG, anciennement LT. Étant en études sup, pour simplifier, voilà, études de type... logistique sur 2 ans. Voilà, bac plus 2. Donc du coup, forcément, on va avoir du boulot et on aura moins de temps pour les vidéos parce qu'on ne sait pas quand on peut avoir du boulot. Donc, c'est le premier thème dont on va parler, c'est chaîne et rentrée. Parce que ça a clairement une influence. Parce que déjà, je ne dispose pas de... J'ai pas encore trouvé l'astuce pour stocker beaucoup de vidéos. Et je peux le faire à la limite avec à partir du vieux PC. Mais voilà, ça veut dire quand même, malgré tout, les monter et tout. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir les stocker directement reliés à ma tablette pour pouvoir les monter quand je veux, quoi, voilà. Parce que je suis pas sûr d'avoir le temps. Parce que des fois, je peux avoir un énorme trou et pouvoir tourner 10 vidéos. Mais je me retrouve à en tourner qu'une seule. Parce que j'ai pas suffisamment d'espace de stockage. Parce que je suis censé avoir 16 gigas, ce qui est déjà pas beaucoup. Asus, avec sa surcouche de merde, il s'en prend 6. Pour lui tout seul. Le système, il y en a plus de 6 réservés au système. Donc je me retrouve qu'avec 10 et quelques. Et sans compter leur appli doublon. Alors là, je me retrouve, je crois, j'ai 8 gigas, quoi. Et comme en plus, faut que j'ai les jeux et tout derrière, des logiciels. Finalement, j'ai que 2 gigas, en fait. Hein. Voilà, 2 gigas pour les vidéos, quoi. Voilà. Ça s'arrête là. Hein. Vraiment, c'est que je suis à 16 gigas à la base. Donc c'est pour ça que je pense qu'une carte micro SD m'aurait été utile. Hein. Voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire. On peut très bien publier une vidéo une fois par semaine, comme arrêter les vidéos pendant 2 mois. Hein. Ça, c'est, je vous préviens, ça peut être comme ça. Si ça se trouve, c'est peut-être la dernière vidéo que je vais tourner jusqu'à 2017. J'en sais rien. Je pense pas, mais voilà, je vous dis clairement, j'en sais vraiment rien pour l'instant, parce que ça a à peine commencé, et le temps de s'organiser et tout, puis bon, les études, c'est quand même prioritaire. Hein. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je tiens quand même à remercier ceux qui nous suivent, parce que les stats sont en hausse quand même, depuis le temps. On a enfin atteint nos objectifs que je voulais atteindre. Hein. Voilà, donc ça fait quand même plaisir, hein. Clairement. Je visite un peu la map, hein, là. Comme ça, les gens, ils ont le temps de voir à peu près ce qu'il y a. Donc, voilà. Donc, le premier sujet de discussion, c'était chaîne et rentrée. Donc, si toi, tu as des trucs à dire de ton côté, moi, j'ai dit tout simplement ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que je pourrais que vraiment, c'est en freelance, quoi. C'est vraiment... Si on peut tourner plusieurs vidéos par jour, sur une journée, on mettra en planification pour qu'elles soient diluées, quoi. Voilà, qu'elles ne soient pas toutes en même temps. Vous pouvez toujours vous régaler avec notre ancien contenu. D'ailleurs, ça commence à être l'avantage parce que tout le boulot qu'on a fait pendant l'été, ça donne une certaine quantité quand même de contenu assez qualitatif parce que quand même, fallait faire progresser ce point-là. Et donc, vous avez toujours l'occasion de voir nos anciennes vidéos, honnêtement. Hein, voilà. Pas se le nier. Ah, donc, ouais, c'était pour dire ça. Alors, notre deuxième sujet de discussion, c'est l'évolution. Pour en revenir sur ouais. Ce que tu avais dit au propos de la rentrée, donc moi après moi je pourrais plus faire des vidéos pendant que je serai à la période chez l'employeur, pas à la période CFA.
Ouais, voilà. Sache que Oui, parce que toi, c'est il faut préciser, c'est l'alternance, hein. Oui, Donc, mais par contre, à l'avantage avec l'emploi, c'est que je peux finir plus tôt et démarrer plus tôt aussi. ce qui peut éventuellement te permettre de d'avoir un petit créneau pour tourner une petite vidéo, quoi. Bah ouais, puis du 2 ou 2, quoi. Alors que moi, clairement, là, j'en sais rien. Donc, déjà, je sais quel jour je pourrais pas tourner. Alors déjà, les principaux jours où je pouvais tourner le mercredi et le samedi, j'aurais pas mal de boulot. Donc ça c'est torche, ça c'est voilà, c'est appliqué. Ensuite, de toute façon, le dimanche et le lundi, je pouvais jamais en tourner. Il faut savoir que le jeudi, je finis trop tard pour en tourner. Et puis les autres jours, ouais. Donc éventuellement, le vendredi soir, c'est peut-être le jour où je pourrais tourner. Parce que là, j'ai un peu de temps pour pouvoir tourner, sachant que je me suis organisé, sachant que je me suis généralement organisé pour faire le boulot le samedi, le mercredi et le samedi généralement. Puis après, s'il y en a entre, je le fais entre, quoi. Voilà. Quand je parle boulot entre guillemets, je parle des exercices là. Je parle pas révision tout ça, quoi, parce que ça c'est le travail régulier qui paye. Mais ça, à la limite, on s'organise. Voilà, il n'y a pas de problème d'organisation. Parce que généralement, c'est le dimanche mon jour de repos où je bosse pas. Mais c'est le jour où je peux pas tourner, donc Et moi non plus. voilà. Le lundi, c'est le seul jour de la semaine où je finis plus tôt et je peux pas tourner non plus. Voilà, Alors c'est plutôt que 16h45 pour ceux que ça intéresse. pour moi, en ce qui me concerne, moi, ce sera plus le samedi où j'ai plus de chances de vous faire des vidéos. Après, va falloir. Moi, je dis pas, mais il faut juste que je m'organise. Et forcément, parce que le temps libre va se réduire, quoi, tout simplement. Ça c'est sûr. Il faut que je m'organise. Par contre, si je trouve du temps et que je trouve un moyen de les produire de façon industrielle, entre guillemets, quoi, voilà, si je trouve le moyen, parce que à force d'améliorer la qualité, ça prend plus de temps, mais ça devient de moins en moins coûteux de en temps de faire la même qualité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je trouve des méthodes, Ouais. comme j'ai dit, industrielles pour les produire. Désolé de tout ce qu'on a dit qui est long quand même, mais il faut quand même le préciser. Donc on va passer à notre deuxième sujet, c'est MCPE qui continue à avoir des tonnes de mises à jour et la 0.16 est en route. Alors je veux juste vous dire qu'on y passera quand elle sera stable. Voilà, donc on attend qu'elle soit vraiment stable. Probablement ce sera la 0.16.1 pour nous quand on y passera. Parce que là, clairement, les Alpha 8 sont pour l'instant complètement à chier. Et j'attends donc qu'elles arrivent de façon très très stable. Sur ce coup-ci. Et l'une des nouveautés qui m'intéresse, c'est les commandes qui ont été ajoutées. Voilà. Après le reste, j'ai pas trop regardé, hein. Donc c'était vraiment très rapide pour passer un mot dessus. Alors ensuite, nous allons passer un petit mot sur parce que il faut savoir que c'est la période de la rentrée, donc à ce qui veut dire souvent achat de matériel informatique. Mais si vous voulez vous faire un PC tour pour jouer et surtout pour être youtubeur, parce que pour être youtubeur, vous dites ouais, il faut avoir un i7 et tout. Oui, c'est vrai, mais pas n'importe quoi comme processeur, parce que pour les jeux, faut des processeurs avec peu de cœur, mais une très grande fréquence généralement. Architecture égale, hein, je parle, hein, parce que c'est vraiment pour vous expliquer, ça serait un peu trop complexe. Donc architecture commune, par exemple les i7 de la même génération, eh ben ceux qui ont peu de cœur, ils seront meilleurs en jeu s'ils ont une grosse fréquence. Les petits ceux avec peu de cœur donc et grosse fréquence, ils seront meilleurs en jeu. Par contre, ceux avec plus de cœur et une plus petite fréquence seront meilleurs en montage vidéo. Donc pour le youtubeur, l'intérêt, ça pourrait être du coup d'avoir un i7 avec plus de cœur, puisque généralement les performances sont quand même très bonnes en jeu, hein, maintenant. Surtout avec DirectX 12 et Vulkan, qui prend mieux en charge processeur multicœur. Généralement les performances sont excellentes. Donc le mieux c'est de prendre un i7 avec plus de cœur pour le montage vidéo. Ou bien, parce que la plupart des gamers ont besoin d'une très grosse carte graphique. Je vais passer donc du fameux Camélon, notamment. Et dans ce cas-là,
ils peuvent utiliser un programme de montage vidéo qui profite de l'accélération par GPU ou le GPGPU, le GPU Computing, qui permet donc d'utiliser plutôt votre carte graphique pour calculer et faire tous les trucs nécessaires au montage. Donc un, c'est bien plus rapide qu'avec le CPU, et deux, ça vous permet d'en avoir un adapté au jeu, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc à 8 coeurs, quoi. Ça, c'est clairement l'avantage. Mais ils prennent pas tous en charge cette fonctionnalité. Donc avant d'être youtubeur et de sauter sur le premier logiciel que tous les youtubeurs utilisent, réfléchissez et pensez pour une fois pro. Quand je parle pro, je parle pas du youtubeur qui va faire des vidéos de jeu et rigoler sur votre jeu préféré, qui est sans doute Call of. Non, je parle vraiment du professionnel qui fait du montage souvent pour faire des publicités, pour faire aussi des films d'animation. Je parle vraiment des professionnels et qui ont souvent des machines très chères. Eux, ils savent quel type de carte graphique faut prendre pour les montages vidéo. Donc, il faut réfléchir avec un. Parce que les youtubeurs aussi, il y a des youtubeurs très professionnels, mais c'est pas le cas de tous. Donc avant de sauter sur le premier truc, faut se dire voilà, faut prendre une carte graphique puissante. Donc soit une, et après en fonction de votre programme, soit préférez la gamme gamer. Si vous faites que du jeu, prenez une carte graphique gamer, ça fera l'affaire, même pour le montage. Par contre, que si vous êtes moins gamer, vous pouvez peut-être penser sur une carte graphique professionnelle. Voilà. Donc c'était pour revenir. Et du coup, pourquoi je parlais des PC? Tout simplement parce que AMD Zen va sortir. Les nouveaux processeurs arrivent en 2017. Et du coup, début 2017, ça serait dommage d'acheter dès maintenant un PC avec le dernier i7 juste parce que c'est trop classe. Alors que AMD va faire baisser les prix, clairement. Parce que, ils vont dire, AMD vont faire un processeur performant. Et surtout pas cher. Pourquoi? Bah parce que Intel a une telle image de marque, AMD peut pas se permettre de vendre cher de toute façon. Ils peuvent pas se le permettre. Comme c'est la dernière chance pour AMD, en gros, on pourrait comparer ça au marché de l'automobile. Un constructeur, il va pas vendre une voiture à 50 000 euros, alors qu'il vend des voitures à 10 000 qu'il n'arrive pas à vendre. Voilà, il faut au bout d'un moment, il faut se dire si j'ai pas l'image de marque, faut réfléchir, quoi. Quand même, au bout d'un moment, faut réfléchir. Et là, c'est quand même bien mieux d'attendre. Parce que à quoi ça sert de dépenser maintenant? Dans quelques mois, vous aurez peut-être le même processeur, deux fois à trois fois moins cher. Même peut-être plus. Hein. Donc, clairement, faut attendre AMD Zen qui est très prometteur. Et après, là, vous pourrez réfléchir à acheter un gros PC gamer. Hein. En attendant, c'est le conseil que je donne. Attendez AMD Zen. Voilà, donc ça clôt ce sujet de discussion là. J'étais un peu parti là-haut, ça va, ça t'a pas trop gêné? Non, pas du tout. Parti un peu en orbite. Et nous allons donc finir sur un autre sujet de discussion. Si tu veux en lancer un, à part si t'en as un. J'ai essayé d'en trouver un justement, mais je sais pas trop de quoi parler. Je vais faire un petit résumé sur le nouveau Tegra qui pourrait équiper. Soit une nouvelle Shield qui vient d'être certifiée par la FCC ou bien alors la Nintendo NX. Il s'agit du Tegra Parker annoncé par Nvidia. Alors il s'agit d'un Tegra avec 6 cœurs ARM, 4 cœurs A57 très connus et 2 cœurs maison Denver 2. Ce processeur serait 40% plus performant que le processeur de l'iPad Pro. Donc on parle à la partie processeur CPU. Et sur le GPU, il éclate puisque nous avons 256 cœurs, à nouveau comme avec le Tegra X1, son prédécesseur, mais pas Maxwell, mais bien la dernière architecture signée Nvidia Pascal. L'architecture qu'on retrouve sur la GTX 1080. Donc, ça nous donne donc un SoC en 16 nanomètres. 6 cœurs ARM, 256 cœurs pour la partie graphique, qui est capable de calculer, en gros, en FP16, qui est très utilisé dans le monde de l'automobile, puisque Nvidia a annoncé en priorité ce SoC pour le monde de l'automobile, 1,5 teraflop dans le FP32, plutôt utilisé dans le monde du jeu vidéo, donc comme nos consoles, il serait du coup capable en théorie de 750 gigaflops,
Ce qui est quand même pas mal parce qu'on se doute que la consommation ne devrait pas dépasser 20 watts. Hein. Clairement, on doit être au niveau de 20 watts, je pense. Enfin, ils n'ont pas annoncé la consommation. Ça, c'est dommage. On n'a pas trop de détails là-dessus. Et donc, qui pourrait être intégré puisque dans une future Shield, et puis déjà dans la NX, il y a pas mal de rumeurs de l'intégration d'un Tegra, on ne sait pas lequel encore, pour être celui-là, ou bien alors dans la NX, il se pourrait que ce soit une version révisée de ce Tegra par cœur, adaptée au monde du jeu vidéo. Par exemple, avec plus de cœurs sur le GPU, ou bien alors des hausses de fréquence, ou bien alors on peut avoir une Shield avec une architecture bi-Tegra. Par cœur, oui, parce que ça, c'est la spécialité de cette spécificité de ce Tegra, c'est qu'il peut fonctionner à deux. On peut avoir comme sur les PC bi-CPU, Xeon, là, on peut en mettre deux Tegra par cœur. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui va alimenter les voitures de la Roborace. Hein. Dans le kit Drive PX2, c'est deux Tegra par cœur qu'on a, avec du GPU Pascal à côté pour avoir plus de puissance quand même. Donc la Roborace est propulsée par ce Tegra par cœur, par deux précisément. Donc on pourra en avoir deux dans la future Shield, ce qui nous donnerait 1,5 teraflop en FP32. Et là, ça devient intéressant parce qu'on dépasse la Xbox One en puissance théorique. Et sachant que un nombre de teraflops égal, Nvidia est toujours meilleur en jeu. Pour preuve, la Fury X d'AMD, qui était pourtant plus performante que la Titan X de Nvidia. Des générations, donc la Titan X génération Maxwell, et bien pourtant elle se faisait éclater c'est la Titan qui gagnait en jeu et largement. Voilà, donc on peut s'attendre à des perfs dignes de la PS4 en jeu si on a bien une architecture bi-Tegra, puisqu'en plus du coup on passe à 4 cœurs custom et à 8 cœurs ARM A57. Hein. On passe sur une architecture 12 cœurs, ça commence à être très puissant à ce stade-là. Par contre, ça devrait consommer bien plus. Ben voilà, c'était mon dernier sujet de discussion, moi, donc si toi t'as autre chose à ajouter. Alors donc, pour revenir donc un petit peu sur nos vidéos, je l'envoie si tu me le permets. Alors donc, on continue toujours notre nouvelle politique qui est liée au rétro gaming, Minecraft PE, Infinity Fight, enfin tout ce qui est jeu Android, plus bien sûr tout ce qui est review informatique, je l'envoie si tu penses en refaire d'autres. Ça fait un moment, j'ai dit que je devais en refaire, ça fait un moment que je n'avais pas fait. J'ai fait des vidéos explicatives, j'en referai. Déjà, j'en ai une. Enfin, j'ai déjà fait l'illustration sur la map pour l'informatique illustrée dans MCPE. Puis il y aura peut-être une autre review d'ici là, ouais. Et puis donc, alors moi, pour mes débriefs de course, alors certes, il y a une série prévue pour toutes mes courses en ligne sur Grand Tourisme aussi, mais malheureusement, pour ceux qui ont vu ma vidéo, ma toute dernière vidéo en plus que j'ai mise là sur Michael Schumacher, enfin le jeu de karting de Schumi, parce que le nom, déjà, je l'ai plus en tête. Hein. What the fuck, le nom, déjà, pour moi. À le retenir, et ben donc je tiens à vous l'annoncer solennellement, donc je devais en faire une pour ce mois-ci, mais malheureusement, vu qu'on était un nombre de participants, mais vraiment très très bas, ben, du coup je l'ai pas fait. Voilà, c'est tout. La C'est dommage. prochaine est en octobre, mais après ça dépendra du nombre de concurrents. Voilà. Et donc après pour les autres débriefs, par contre ça va dépendre des courses, hein, parce que je peux avoir les résultats dans 2 semaines, peut-être 3, voire dans 1 mois. Donc en plus le temps de voir la vidéo sur YouTube, parce que je suis abonné à certaines chaînes de plusieurs championnats qui sont à l'étranger, dont des championnats sud-américains. Et ben donc là, et ben, il se trouve que là, ce week-end, il y a une course là, et donc je pourrais peut-être pas l'avoir avant peut-être pas avant la semaine prochaine. Donc oui, il peut y avoir des délais sur certaines épreuves. Ben, Donc je merci de risque cette de info. débriefer. T'as dit quoi? Merci de cette info. Bon, je pense qu'on a fait le tour et qu'on n'a plus rien à dire. Bon, on va se quitter là-dessus. Ouais, après, si vous voulez que je fasse des tutos sur un CPE, vous le mettez en commentaire, je pourrai en faire. Ça, Voilà. c'est pas un problème. Ouais, je ferai la caméra et puis voilà.
Bah forcément, je peux faire avec mon portable aussi. Ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est vrai que, ouais. Puisque c'est adapté au portable, de toute façon. Donc, Au ouais. moins, ce sera plus facile. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!